maybe I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. Something I know is greater, and I don't need no calculator. And that's a fact. Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 = 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que ça va chez vous, que moral est au beau fixe. Moi ça va un petit peu mieux. Je me suis réveillée avec mal de tête. Je me suis couchée avec un mal de tête et je me réveille avec le mal de tête. Mais vous voyez pas le mal de tête qui est super lancinant là, il est juste derrière là, on sent qu'il est encore là. Mais voilà, avec toutes ces histoires de cachets et tout, je me dis, tant que ça me fait pas super mal, je préfère ne rien prendre. Parce que vous savez, hein, enfin, si vous le savez pas, faites attention aux cachets, parce qu'il y en a qui ont, enfin, voilà, qu'il faut, vaudrait mieux pas prendre à cause du coronavirus. Donc il faudrait plus prendre tout ce qui est paracétamol en fait, donc tout ce qui est doliprane et tout. Donc je préfère les garder au cas où, vous voyez, qu'on en aurait besoin. Même si, hein, voilà, donc comme c'est pas assez supportable, on fait ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait déjà ce matin? Parce que là, il est déjà tard en fait. Hein. Il est déjà presque 11h. Ouais, il est 10h40 déjà. Je trouve que depuis le changement d'heure, les journées passent encore plus vite en fait. Hier soir, je me suis endormie, il était 22h. Ce matin, je me suis réveillée, il était 8h-10. Le pire, c'est qu'hier soir, quand je piquais du nez, je me suis dit, cool, vas-y, dors tout de suite. Comme ça, demain matin, tu vas te réveiller de bonne heure. Et ben... Mais bon, c'est parce que j'en avais besoin. Donc, ce que j'ai déjà fait, donc j'ai fait mon sport, j'ai déjeuné, j'ai fait une partie de mes routines, mais là, les loulous sont à la salle de bain, donc on va attendre qu'ils y sortent. Là, je vais m'occuper de mon pain au levain que j'ai fait hier, et ensuite, ce que je vais faire, c'est le bœuf carotte de ce midi, parce qu'il faut un petit peu de temps pour le faire cuire, et je pense que je vais le faire au cookéo, comme ça, il va cuire un petit peu plus vite. Au niveau... Donc routine, j'ai pratiquement, comme je vous ai dit, tout fait à part la salle de bain et puis au niveau de la cuisine. Au niveau du blessing, c'est les escaliers, donc je les ai déjà fait, et le coin des animaux. Et au niveau de la zone, je voudrais faire mes toilettes aujourd'hui, les toilettes à fond, voilà. Après, je voudrais aussi faire un pain mou. Oui, oui, j'ai une belle to-do list aujourd'hui, ça va m'occuper un petit peu. Un pain mou, je voudrais faire de la compote. Hier, Greg allait faire les courses, je lui ai demandé de me prendre pas mal de compote. Je vous ai dit hier, hein, j'ai pas mal d'abricots dans le congélateur que j'avais congelé l'année dernière. On a un abricotier en fait au potager. Et là, il va pas tarder à redonner quoi en fait. Et quand je fais des gâteaux aux abricots et tout, les enfants sont pas fans, Greg non plus. Donc voilà, je me dis, autant les faire partir, je pense qu'en compote, ça devrait bien passer. Après, ils aiment bien aussi ça en crumble aussi. Mais j'ai encore des prunes aussi. Et ça, là, pareil. Enfin, moi, ils ont du mal, à part avec les pommes, les poires et tout ce qui est framboise et tout, en cuit. Mais après, le reste, peut-être en tarte aussi. Ouais. Bon, bref, j'ai encore un bon stock d'abricots parce que l'abricotier avait bien donné. Donc, du coup, je vais faire de la compote. Et ensuite, je voudrais faire du houmous parce que je ne l'ai pas fait hier. Et je vais peut-être demander à Greg, s'il a le temps, de me descendre la déco de Pâques. Voilà, pour... décorer un petit peu, parce que je me suis dit zut quoi, j'ai investi dans cette déco, donc autant l'utiliser, hein. Et puis ça me changera un petit peu les idées, ça changera un petit peu la déco de la maison, donnera un petit coup de, un petit air printanier à la maison, ça fera un petit peu du bien, voilà. Allez, au niveau du repas, donc je vous ai dit, hein, ce midi c'est bœuf carotte et ce soir c'est un poulet, enfin un poulet, rien à voir du tout, c'est des patates douces gratinées au chili. Donc cet après-midi je vais faire mon chili aussi, je vais faire une double dose parce que demain on mangera des tacos avec. Donc là je vais m'occuper de mon pain, il a bien levé, je vais vous montrer, donc il a passé la nuit dehors, voilà, alors il a doublé. Allez, je fais ça,
J'attends qu'Angèle sorte de la salle de bain. Et puis, je vais aller finir les routines. Les loups sont en train de faire leurs devoirs. Moi, j'ai commencé à préparer pour le bœuf carotte. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment je fais mon bœuf carotte. Je vous mettrai la fiche recette aussi. Même si c'est une recette, je pense qu'on a tous dans nos placards. Mais bon, voilà. Hein, je sais qu'il y aura... Il y a souvent des recettes comme ça où je vous mets pas la fiche recette parce que je trouve qu'il n'y a pas d'utilité en fait que pour moi. Et en fait vous me réclamez la recette, donc du coup voilà, je me dis je la mets comme ça vous l'avez au cas où. Ça va, Stacy est en plein espagnol et Angèle lui est en plein français. J'ai eu mes sœurs aussi sur MSN, en fait on a créé un groupe avec mes sœurs et mes cousines. En fait, il faut savoir, c'est que mes cousines, mes parents habitent à côté de chez ma tante, en fait. Ils sont voisins. Donc, en fait, j'ai été élevée avec mes cousines. Donc, mes cousines, c'est un peu comme mes sœurs, quoi, en fait. On a grandi ensemble, c'est pas... Enfin, voilà, je les voyais tous les jours, on allait à l'école ensemble. Voilà, donc du coup, on est très proches, quoi, en fait. Et ça va, tout le monde va bien. Donc, ça, c'est cool, c'est le principal. J'espère que chez vous, c'est pareil, que tout le monde va bien. Voilà. Alors, on y va du coup pour ce bœuf carotte. Alors, pour la joie d'Angèle, parce que c'est un repas qu'il aime pas trop. Il aime pas les carottes cuites. Mais bon, du coup, j'ai mis un peu plus de pommes de terre, il fera le tri. Alors, de la farine, on va avoir besoin d'une cuillère à soupe, c'est pour épaissir un petit peu la sauce. Du bœuf à mijoter. Donc là, j'ai 600 grammes que je vais couper. Je vais le recouper en petites bouchées. Vous voyez, pour pas avoir des gros morceaux. J'ai une dizaine de pommes de terre que j'ai coupées. Pareil, une dizaine de carottes. Alors moi, je les coupe en gros tronçons, comme ça. Je préfère. Du sel, du poivre, 25 centilitres de vin blanc, 25 centilitres de bouillon de bœuf, une cuillère à soupe d'huile d'olive, du thym, ail, oignon. Et ça, c'est pas dans la recette, c'est pour Bibi. Voilà. Hop. C'est mon deuxième de la journée. Souvent deux le matin et l'après-midi j'en reprends un et après c'est un déca, donc deux l'après-midi aussi, donc je suis à trois vrais cafés on va dire. Hop, donc là je vais pouvoir couper ma viande. J'ai mis ma, je vais le faire au cookéo, après vous pouvez le faire à la cocotte minute, vous pouvez le faire aussi à la marmite hein, si vous voulez. Ce qu'il y a, c'est que c'est plus long à cuire. Donc là je vais couper ma viande et la faire dorer un petit peu. Bon, alors, ils sont en train de se comparer les écritures. Hop, donc, j'ai mis, ma viande était dorée, j'ai rajouté l'ail et l'oignon. Je les ai fait dorer aussi à leur tour. Là, je vais ajouter la cuillère à soupe de farine. Alors, c'est... on va peut-être devoir épaissir un tout petit peu à la fin de la cuisson, c'est sûr, avec le cookéo souvent. Là, il n'y a pas de... Enfin, voilà, la sauce reste liquide. Et il manque tout le temps du sel. Je ne sais pas comment ça se fait. Hop, donc on va mettre une cuillère à soupe, hop, de farine. On va mélanger. On va mouiller avec le vin blanc. Donc, 25 centilitres de vin blanc. Alors, moi, je fais la cuisson en deux fois. Parce que je veux pas que mes carottes et mes pommes de terre, ça soit de la bouillie. Donc, et comme le bœuf, je trouve que c'est beaucoup plus long à cuire une autre viande, je vais la faire cuire d'abord une fois toute seule et ensuite je rajouterai mes légumes. Donc là, une fois que j'ai rajouté mon vin blanc, j'ajoute mon bouillon de bœuf, donc 25 centilitres de bouillon de bœuf. Hop, je vais ajouter une cuillère à soupe de thym. Voilà, si vous avez en branche c'est mieux. Hop, on va mettre un peu de poivre, un peu de sel et je vais, comme je vous ai dit, faire cuire ça une première fois 25 minutes sous pression. Et ensuite seulement j'ajouterai mes pommes de terre et mes carottes. Alors moi j'aime bien quand les carottes sont encore un petit peu pas fermes, mais vous voyez que ça fait pas de la purée quoi en fait, qu'elles sont encore un peu entières. Donc du coup c'est pour ça que je préfère les faire cuire après. Hop là. Et c'est aussi pour ça que je les ai coupées en gros morceaux aussi et pas en rondelles, pour pouvoir garder des beaux morceaux de carottes. Donc je vais faire cuire ça, hop, sous pression, 25 minutes. J'ai la machine à laver qui s'est lancée. Alors, la dernière fois, j'ai eu un commentaire en me disant que, toujours été, que ma cuisine était assez variée et qu'en ce moment, chez vous, c'était compliqué en fait, que vous avez pas mal de pénuries et tout. Alors nous aussi, hein, ça arrive. Ma cuisine est assez variée, mais quand vous regardez dans la liste des ingrédients, j'utilise pratiquement tout le temps les mêmes ingrédients.
On mange énormément de poulet à la maison, c'est une de nos viandes préférées, énormément de blanc de poulet. Ensuite, du bœuf on en mange, mais voilà, souvent c'est de la viande hachée ou des choses comme ça. En fait, ce qu'il y a, c'est quand vous regardez dans ma liste des ingrédients, j'ai tout le temps pratiquement les mêmes ingrédients, mais avec de la hachée de bœuf, j'ai plein de recettes pour le faire. Mon poulet, c'est pareil, j'ai plein de recettes pour le faire. Par exemple, là, le bœuf carotte, on aurait pu très bien rajouter des épices, rajouter des abricots ou des pruneaux séchés ou des choses comme ça et transformer ça en tagine. Avec exactement les mêmes ingrédients, en fait, on arrive à faire différentes recettes. Et c'est ce qu'il y a, en fait. Moi, j'ai souvent les mêmes ingrédients qui reviennent, mais de cuisiner de différentes façons j'ajoute telle ou telle épice et du coup ça change toute la recette. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais souvent c'est les mêmes ingrédients en fait que j'utilise. C'est toujours varié, mais c'est pratiquement tout le temps. Enfin, la recette est toujours différente, on va dire, mais c'est pratiquement tout le temps les mêmes ingrédients. On mange, comme je vous dis, énormément de poulet et il suffit de regarder sur mon mur Trello, vous regardez les recettes et vous allez voir qu'il y a plein de recettes avec du poulet avec de la volaille. Je sais plus, je pense que je dois être à une vingtaine de recettes de poulet quoi, en fait, sur le mur. Mais oui, on mange pratiquement aussi tout le temps la même chose, hein. Le seul truc, c'est que les recettes sont différentes, quoi, en fait. La façon de les cuisiner, c'est différent. Allez, je vais ranger un tout petit peu, puis je vais aller faire mes toilettes à fond, du coup. Comme ça, ça sera fait, le temps que ça cuit. Voilà. Et sur les articles en pénurie, ça commence aussi à se faire sentir, nous aussi, hein. Alors, je pense qu'on l'a moins ressenti jusqu'à maintenant, parce que on est loin d'une agglomération. Enfin, on est quand même à quelques kilomètres d'une grande ville, quoi, en fait. Donc, il y a moins de monde, entre guillemets, qui va faire ses courses. J'habite dans une ville, mais pas non plus une super grande ville, quoi, en fait. Même si c'est pas un petit village. Mais voilà. Donc, je pense que ça doit être... Vous devez le ressentir plus encore, ceux qui habitent dans une grande ville ou proche d'une agglomération. Mais voilà, ça commence quand même à se faire sentir et je pense que c'est parce que les camionneurs commencent à fatiguer, enfin les livreurs, enfin voilà, vous me comprenez quand je dis ça. Le personnel aussi en grande surface aussi commence à fatiguer. À la force de d'avoir vidé les rayons, ils ont dû bosser mais 10 fois plus qu'en fait. Alors, et puis après peut-être que, enfin, j'espère que c'est pas le cas, mais peut-être qu'aussi il y a de plus en plus de malades, donc plus en plus de personnes qui sont en arrêt. Même si c'est peut-être pas grave parce que c'est vrai qu'il y a différents cas de, enfin différents grades au niveau du corona, mais ils doivent quand même être en quarantaine chez eux quand ils l'attrapent, qu'en fait. Donc il y aura moins en moins de personnes aussi. Au plus on va monter dans la vague, au moins il y aura de personnes qui sera en train de travailler. Donc je pense aussi que ça se ressent aussi dans les commerces, ils sont quand même face à toutes ces personnes tous les jours, quoi, en fait. Ils travaillent pas tout seuls, quoi, en fait. Et ils sont pas tout le temps en contact, comme ce que je vous disais avec Greg, hein, qui est tout le temps en contact avec les mêmes personnes. Là, c'est tout le temps des personnes différentes. Donc, je pense que c'est ça aussi. Après, les usines de production aussi, qui doivent produire au ralenti, avec moins de personnel. Et du coup, en fait, ils n'arrivent peut-être pas à suivre cette demande qui est énorme comme ça. Alors, voilà, on essaye de... On trouve des petites substitutions. Alors, il y en a une de vous qui me disait que elle, c'était la levure de boulanger, qu'elle avait du mal à trouver. Alors... ça, vous pouvez pas le remplacer par le bica, donc ça va être embêtant si vous voulez faire du pain. Par contre, le levain, voilà, on a besoin juste d'eau et de farine. Donc si vous avez un petit stock de farine, lancez-vous dans le levain, vous allez peut-être pouvoir vous faire du pain du coup maison. Voilà. Bah après, si ça tombe, le temps que votre levain prend, vous allez peut-être... on sera peut-être sorti de quarantaine. Parce qu'il y a deux mois, ça peut être long. Hein. Mais voilà, c'est une bonne solution si vraiment... Hein. Allez, ou si vous connaissez quelqu'un qui a un levain autour de vous, vous lui demandez qu'il vous glisse un petit bocal dans la boîte aux lettres avec juste une cuillère à soupe pour faire partir votre levain. Ça peut être sympa aussi. Voilà, le partage. Mais la levure de boulanger, moi j'ai un petit stock donc pour les brioches, les trucs comme ça, mais pour mon pain, heureusement que j'ai mon levain. Allez, je vais ranger et puis aller faire mes toilettes. Le temps de faire mes toilettes, le temps que ça cuit, donc là ils sont faits entièrement. Ça c'est mon pain, je vais le sortir. Alexa, stop. Donc là du coup la viande est cuite, donc on va ajouter du coup maintenant les carottes,
et les pommes de terre. Je vais mélanger et refaire cuire, enfin remettre un petit peu de sel et poivre si besoin. Et je vais refaire cuire 10 minutes sous pression. Voilà. On va manger. Là je suis en train de faire la compote pomme abricot. Donc j'ai juste mis 700 g de pommes, 300 g d'abricot. Et c'est tout. Et je suis en train de les faire cuire 10 minutes, vitesse 2, 90 degrés. Au cas où, celles qui veulent. Voilà, ça fera une compote sans sucre ajouté. Et le pomme que j'ai, enfin que Greg a pris, c'est des golden. Elles sont déjà assez sucrées, donc je pense pas que j'aurais besoin de rajouter. Même si mes abricots risquent d'être un tout petit peu acides, je goûterai, mais je pense que ça devrait aller. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne du coup. Le bœuf carotte. Alors là, ce que je suis en train de faire, c'est que j'ai mis sur position dorée pour faire un petit peu épaissir la sauce sans rajouter quoi que ce soit dedans. Voilà, j'ai pas eu besoin de rajouter de maïzena. Vous, si vous voyez que c'est trop liquide, ben vous rajoutez un tout petit peu de maïzena si vous le souhaitez. Voilà. Alors je vais regarder, ça vient de sonner et Greg vient d'arriver du travail. En ce moment, je suis un petit peu à la bourre. J'ai l'impression que les journées, ils passent entre les enfants qui m'appellent pour plein de trucs quand je suis en train de... Voilà, les journées passent à une vitesse folle. Je vais prendre ma mise pour glisser les morceaux de pommes. Hop, la Stécie, elle n'arrivait pas. Sa prof avait envoyé la vidéo, je vous ai dit, hein, sa prof de latin qui leur envoie tous les jours une vidéo de ce qu'ils auraient vu s'ils seraient partis à Rome. Donc là, elle a eu sa petite vidéo, elle n'arrivait pas à l'ouvrir. Donc du coup, on a passé un peu de temps dessus. Non, je pense que c'est bon. Pas besoin de rajouter de sucre. Donc là, je vais la mixer. Je vais la mettre en cours. Ça va un peu épaissi. Je l'ai rajouté du coup tout autour. On va pouvoir manger. T'as faim, chérie? Tiens, je te fais une grosse assiette là. Regarde, celle-là, c'est la plus grosse. Alors, j'ai mixé ma compote. J'ai un beau gros pot de compote qui va aller au frigo. Là, je laisse refroidir. J'ai fait mon pain mou. Alors, à chaque fois, je galère pour avoir la pâte à l'intérieur du bol. Mais bon. Et là, petit café, je vais aller m'installer. Il était bon ce bœuf carotte. J'ai même tendance. Alors là, la viande, c'est Greg qui l'avait acheté à Lidl. Et la viande, elle est meilleure que celle qu'on achète d'habitude à Auchan. Je trouvais qu'elle était plus tendre. Vous voyez, c'était pas de la vieille carne. Ouais. Je vais aller boire mon café. Je vais attendre que Stacy libère le PC pour travailler un petit peu. Elle a beaucoup de devoirs aujourd'hui. Bombardée. Alors il y a des jours où ça va tout seul et il y a des jours où les profs voilà. Donc là elle a fait de l'espagnol ce matin, là elle est en train de faire de l'anglais. Elle a fait quoi? De la techno. T'as fait quoi aussi ce matin? C'est tout. Elle était en contrôle en fait en techno. Allez, prendre mon café, je vais aller côté de chérie. Je vais aller le bombarder. En ce moment on est en train de jouer. En fait, on a tous téléchargé l'application sur notre téléphone de... Alors, c'est quoi le nom du jeu, chérie? Cool Master? Non. Si, c'est ça, je pense. Non. Quoi, Master? Voilà. Et en fait, il est en colère parce que du coup, en fait, il nous a fait ça pour avoir les sous, pour pouvoir jouer un peu plus. Mais en fait, il est dégoûté parce que du coup, on y joue tous. Mais du coup, son village, à chaque fois, il se fait bombarder. Hein? Voilà, donc là c'est ce que je vais faire. Je vais aller bombarder chérie. Non, t'as pas le droit de me bombarder. M'en fous, moi j'ai des boucliers. Non, alors en fait c'est le jeu qu'on... Il y a plein de pubs en fait sur ce jeu. Hein. Avec Jennifer Lopez, ouais. Mais je sais... Enfin voilà, elle de la pauvre, je sais pas pourquoi là, elle fait un truc pareil. En fait ça fait un système de roulette et quand vous avez les trois trucs pareils, ben soit vous rapportez les sous, soit si vous avez les trois petits cochons vous pouvez les piller, ou si c'est des masses c'est ouais, ça fait comme les machines à sous. Si c'est des masses, et ben vous pouvez aller attaquer le village. Voilà. Voilà, ça se présente comme ça et en fait vous faites jouer. Hop, ah là je vais attaquer, j'ai eu un marteau. Je vais attaquer qui? Ah, c'est Angel. Le pauvre. Mais bon, je pense qu'Angel, au début c'était marrant parce qu'il attaquait son père, mais là je pense qu'il a abandonné.
Je vais me venger. Je vais attaquer chéri. Il m'a attaqué. Je suis montée. Attention, je vais m'abaisser. Je vais allumer mon tapis. Oh là là, il fait beau. Il fait bon dans ma chambre. J'ai laissé ma fenêtre ouverte. Hop. Je vais me faire un petit peu de tapis, une petite séance de marche en regardant une vidéo. Ça va me faire du bien. J'ai une copine au téléphone. On a discuté pendant une heure. Des soucis qu'on avait, des inquiétudes qu'on avait. On a les mêmes inquiétudes puisque nos loulous ont pratiquement le même âge. Et c'est vrai que on commence vraiment à se poser des questions au niveau de la scolarité de nos loulous. Hein. Et ce matin, je voyais avec mes soeurs, c'était un peu la même chose. J'ai ma grande sœur qui a aussi laissé le loulou pratiquement du même âge que moi. Enfin, elle en a des plus grands aussi que moi, mais voilà. Et c'est aussi les mêmes inquiétudes. Je pense qu'on est tous en train de se poser la question. Mais voilà, ça va durer combien de temps? Alors, on ne sait pas, hein, mais même pour. Mais je pense que au niveau de l'école, en fait. C'est les inquiétudes, comment ça va se passer au niveau du brevet, au niveau du bac, comment ça va se passer s'ils passent, parce que s'ils sont encore en quarantaine, encore un mois ou deux, ben ça leur fait pratiquement 4 mois de qui va passer. Est-ce que au niveau des vacances, bon, ils vont avoir leurs vacances, je pense, hein, ils vont pas pouvoir les sucrer, mais du coup là, les examens du bac commençaient mai, juin. Voilà, donc il y a plein de questions qui commencent à nous bousculer et je pense que ça serait bien qu'ils nous disent clairement qu'en fait les choses, enfin je parle de l'État hein, quand je dis on, qu'on nous dise clairement les choses. Alors Kim m'a dit que le ministre de l'Éducation devait parler dans les jours qui viennent. Voilà, j'ai hâte de savoir, juste pour être fixé quoi en fait, c'est ça. Peu importe la décision qu'ils prennent, mais juste pour être fixé. Et là j'arrive à un point où je me dis... Mais voilà, pourquoi ne pas tout reporter, qu'en fait, tout mettre en suspens, enfin je sais pas. Enfin je sais que ça doit être une décision qui, enfin, ils doivent être dans l'impasse, hein. Pas savoir quoi faire, pas savoir quelle décision prendre, parce que peu importe la décision qu'ils prendront, il y aura forcément des répercussions. Mais voilà. Ouais. J'aimerais pas être à leur place pour la reprendre, cette décision. Mais en même temps, il faut qu'il y ait quelqu'un qui la prend et il faut qu'on soit fixé. Donc oui. Et puis, je pense que ça serait un poids aussi en moins pour nous, mamans, en fait, qui nous inquiétons pour la scolarité. Enfin, même les papas, hein. Mais pour nous, parents, voilà, c'est plus logique, qui nous inquiétons, en fait, pour la suite de la scolarité de nos loulous, quoi, en fait. Parce que... Enfin, je sais pas chez vous, hein, mais moi, c'est vraiment une inquiétude, qu'en fait. Je me demande vraiment comment ça va se passer. Parce que je me dis... Alors là, il y a le mois de mars. Il y aura le mois d'avril. À mon avis, hein, clairement, je pense pas qu'il reprendrait l'école au mois de mai. Parce que même si la quarantaine commence à se lever au mois de mai, on va pas reprendre toutes les libertés comme ça. Hein. C'est ce que je vous disais hier, ça va être petit à petit. Et comme là, les enfants ont été les premiers à être mis entre guillemets en quarantaine, je pense que ce sera les derniers à reprendre le chemin de l'école. Donc à mon avis, le mois de mai... Il n'y aura pas l'école. Et clairement, je pense, enfin, et on est beaucoup à penser ça, hein, je pense, qu'ils ne reprendront pas en mois de septembre. Mais du coup, ça ferait mai, juin, donc 4 mois sans aller à l'école. Je sais pas. Enfin, franchement, mais j'aimerais bien être fixée. Enfin, je sais pas vous, mais j'aimerais bien que ça soit un poids en moins. Bref. Donc voilà, petit souci. Et je me rends compte en fait en discutant avec les gens autour de moi par téléphone ou par webcam que on a tous les mêmes inquiétudes quoi en fait, que c'est vraiment tous. Donc il y a bien sûr, il y a le corona, il y a le virus, il y a le machin, mais en tant que parents, on a tous aussi ce poids là aussi à se demander. Après je pense qu'ils doivent se demander aussi hein, là, au plus haut ce qu'ils doivent faire, et ce qu'il y a c'est qu'ils n'ont pas la solution. Après je comprends, c'est pas la priorité du moment hein, c'est ce que je dis à Kim quand elle me pose plein de questions. Je lui dis, tu sais, la priorité du moment c'est que tout le monde va bien, c'est que on se sorte de ce virus, et que voilà, qu'on puisse et ensuite on verra. Mais ouais, ça commence à bien peser quand même. Bref, allez, on va s'aérer un petit peu l'esprit. Ensuite, je vais aller faire mon chili. Alors, je vais sûrement pas vous filmer la recette parce que, voilà, c'est un chili. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être quand même vous taper la recette et vous la mettre sur le mur Trello. Comme il y a beaucoup de recettes quand même que je fais, et je pense que je vais
fonctionner un petit peu plus aussi comme ça. Vous voyez les recettes de base comme la bolo. J'ai plein de recettes avec, mettons juste une bolo. Et on fait plein de choses avec une bolo, quoi, en fait. Il y a plein d'autres recettes. Enfin, vous voyez que ça part d'une recette, comme là avec le chili. Et ben en fait, il y a plein de recettes qui partent avec le chili. Donc, comme je voudrais, quand tout sera revenu à la normale, refaire des bocaux de chili et de bolo. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Je fonctionnais plus avec. Mais je me dis que voilà, dans ces cas où on peut pas aller faire les courses, c'est bien pratique. Voilà. Et puis voilà. Du coup, vous aurez la recette du chili et à chaque fois que je vous mettrai une recette où il y a la recette du chili, je pourrai vous référer à la fiche recette du chili. J'ai dit beaucoup chili là. Voilà. Donc oui, je pense que je vais pas vous la filmer, mais je vous mettrai la fiche recette comme ça à chaque fois que je vous mettrai une recette comme là ce soir, donc les pommes de terre, les patates douces farcies, enfin gratinées au chili, ben, je pourrai vous mettre en lien. Voilà, la recette du chili, pour celles que ça intéresse. Mais bon, après, vous pouvez fonctionner avec votre recette de chili. C'est juste une façon d'agrémenter le chili. C'est comme avec la recette des lasagnes mexicaines. J'ai pas mal les tacos qu'on va manger demain. J'ai pas mal de recettes quand même avec du chili. C'est pareil avec la bolo en fait. Hein. Bon. On va se dégourdir les jambes. Ça aère un petit peu l'esprit. Alors moi, ça me. Je vais le mettre en route. Hein. Je vais mettre tout doucement, comme ça je vais continuer à parler. Alors moi, quand je fais mon tapis, je me mets une vidéo et ça me permet de m'évader en fait. Voilà, je pense à autre chose et pendant la petite demi-heure, trois quarts d'heure où je suis concentrée sur ce que je fais sur mon tapis et sur la vidéo, ben, je pense à autre chose. Voilà. N'empêche, le temps est vachement bien revenu. J'ai eu peur hier quand il a commencé à faire pas beau là. Je me suis dit, oh là là, c'est parti là, on va avoir un sale temps. Et non, en fin de compte, non, c'est revenu. Donc c'est chouette. Parce que le mauvais temps se rejoue encore plus sur le moral. Hein. Alors on essaye de tenir bon. Mais il y a des moments, c'est compliqué quand même. Hein. Hein? Allez. On y va. Courage. J'ai passé mon après-midi au téléphone en fait. Je viens de raccrocher avec Kim. Hein? Ah, tu parles à Angel. Il est 19h. J'ai fait mon chili. Alors, je vous ai pas filmé la recette, puisque voilà, hein, comme je vous ai dit, en plus, c'est la recette. Enfin, pas vraiment la recette du MCC, mais je le fais au MCC. Mais moi, je rajoute. J'ai rajouté des carottes et du poivron dedans. Mes épices, c'est les épices mexicaines que j'utilise, les épices maison. Mais comme je vous ai dit, je vous l'ai mis sur Trello. Comme ça, je vous mettrai le lien en fait avec la recette de ce soir. Elle sera en lien, elle sera en dessous en fait, vous allez voir. Donc du coup, mon chili est fait. Hop, j'ai fait cuire aussi mes pommes de terre au four. Voilà, là c'est ma patate douce, elle était énorme, je suis en train de la finir au micro-ondes parce qu'elle n'était pas cuite. Donc les pommes de terre, les pommes de terre normales, logiquement c'est qu'avec des patates douces, mais Stacy et Angel n'aiment pas trop la patate douce, donc du coup je leur ai fait de la pomme de terre normale. Mais logiquement c'est avec la patate douce la recette. Donc du coup j'ai fait cuire mes pommes de terre, je les ai coupées en deux, là la patate douce je vais la couper en deux, je vais la mettre dans des petits plats. Ensuite, on va mettre le chili au milieu et mettre du cheddar sur le dessus. Ça va repartir au four pour faire gratiner. J'ai fait cuire aussi mon pain, hop, demi. Je vais laisser le four aller du coup. Je l'ai éteint, mais c'est vrai que ça va retourner dedans. Hop là. Donc oui, alors patate douce, ça cuit vite au four à micro-ondes au cas où vous demandez, mais après vous pouvez les faire cuire aussi au four. On va dire une quinzaine de minutes en fonction de la grosseur de votre patate, ça cuit au micro-ondes. Voilà. J'attends qu'elle finisse de cuire et ensuite je vous montre le plat fini, donc juste garni avec le chili. J'ai fait aussi une salade composée pour aller avec, donc juste salade, poivron, maïs, haricots rouges. En fait j'ai mis de côté de celle que je devais mettre dans le chili, voilà. Oh là là, ouf, je suis fatiguée, ça va, mon mal de tête est passé. Alors de temps en temps il y a tendance à revenir. Et dès que je pense que c'est du tracas en fait que je me fais. Parce que dès que je pense à autre chose ou quoi et que voilà, ça part. Après c'est peut-être aussi la fatigue aussi, j'en sais rien. Je suis fatiguée à rien faire en fait, c'est bizarre. Oh là là. C'est peut-être aussi, ouais, je pense que. Hein. Allez, j'ai pas l'impression que. Alors, j'ai pas commencé à monter le vlog, mais j'ai l'impression que le vlog aujourd'hui était un petit peu décousu, un peu. Mais bon, je pense que. Hein, entre je sors pas, j'ai rien à vous montrer. Voilà. Et puis le moral qui est pas trop bon.
Ça se ressent, je pense. Mais bon, ça va passer. Allez, on attend que la patate douce finisse. Les patates, c'était cuite. Patate douce aussi. Ça va beaucoup plus vite au micro-ondes, en fait, hein, pour la patate douce qu'au four. Alors, ce que j'ai fait, c'est que moi, elle était énorme. Donc, j'ai coupé en deux et j'ai refait une incision comme ça à l'intérieur. Je vais la farcir. Alors, est-ce que... Voilà. Je vais la farcir là avec du chili, comme j'ai fait ici. Et ensuite, on met du cheddar et ça part au four juste pour faire gratiner. Tout est cuit, tout est encore chaud. Donc, il faut juste faire gratiner le cheddar au-dessus. Tu fais quoi là? Hein? Ah, ça y est. Il est en train de s'énerver. Faire un jeu. Il est cool. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à monter le vlog. Mais bon, ça va vite aller, hein, ça va vite gratiner. Je me suis servi aussi un petit verre de vin blanc. Faut que je finisse la bouteille. Hein. Elle a tamé. En fait, j'en bois souvent un verre le week-end, mais après la bouteille elle reste attamée. Et comme c'est là, c'est un bon vin en plus que j'ai attamé le week-end dernier, donc ça m'en ferait mal un petit peu qu'ils partent en cuisine. C'est quoi? C'est un Gewürz Straminer, un vin d'Alsace, réserve particulière. Ouais, donc hein, je préfère que le boire comme ça qu'il ferme en cuisine. Mais du coup voilà. Et comme Greg, c'est pas un fan de vin blanc. Enfin, de vin en général, à part le rosé, toi. Hein. Mais tout ce qui est vin et tout. Et le vin qu'on n'arrive pas à boire, c'est le rouge. Trop acre, je pense. Allez. Pourtant, il y en a du bon, hein, du vin rouge. Mais voilà, une question de goût, je pense. Je mange des carottes. Mais on va bosser un petit peu. N'empêche, il y a pas mal de pronostics qui sont faits, hein, sur... sur le confinement. Il y en a qui disent qu'on va tous devenir alcooliques. Non, ça marche hein pas ça. Il y en a qui disent qu'il va y avoir un baby boom dans quelques mois. Il y en a qui disent qu'il va y avoir plein de divorces aussi dans quelques mois. Et... Hein? Et toi chérie, t'en as un des pronostics? Oui, hein? Ouais, je vais devenir... Mais voilà le patois là qui ressort là. Allez, alors toi... Tu vas devenir un geek. Voilà. Un geek, alcoolique et je ferai pas de baby boom. Tout l'inverse lui. Il y a le fils qui est en train de donner des conseils au père là. Et hein? Pourquoi sans hauteur? Parce que la lumière c'est pas la lampe. Hein. Bah désolé, la lumière c'est la lampe. Il va apprendre à son vieux papa à jouer. Hein chéri? Il est en train de tirer dans le vide depuis tout à l'heure. Il est nul, là, ton père. Non, mais je serais pas dans le... C'est vrai que c'était mieux les films, deux trucs avant, ça bougeait pas. Bah, si, on avait des jeux comme ça. Ah ouais. On a passé des après-midi à jouer. C'était quoi au jeu, là? Final Fantasy. Bon, là encore. 8. Qu'est-ce qu'on a passé du temps à jouer? Dites-moi si vous vous souvenez, vous, c'était votre génération. Il y avait l'autre aussi, Warcraft. Quoi? Warcraft. Ouais, celui-là aussi. On passait nos soirées, hein, où il y a deux mois, il y avait un copain qui s'incrustait à la maison et puis Greg jouait avec le copain. Et moi, je finissais endormie dans le fauteuil. Oh, c'était le bon vieux temps, hein, chérie, quand on était jeunes et insouciants. Hein, c'est nous les geeks. Hein. Qu'on pensait à rien. Qu'on n'avait que nous. Maintenant, on doit se battre pour avoir la PS. C'est les gosses qui jouent. Je suis même plus... Alors, toi, t'es sur ton PC. Ah, là, pas là. Ah, là, t'es sur ton téléphone. T'es bien, chérie. C'est moi qui suis sur le PC, mais... Ah oui, bah oui, mais toi, tu regardes la télé sur le PC. Stacy, en ce moment, elle est fana de manga. Hein? Elle fait que ça, regarder du manga. Ouais, mais c'est... J'ai déjà vu 5 depuis le début du confinement. Elle passe ses journées là-dessus. Bon, après, on lui a dit qu'elle devait se bouger et de faire du tapis. Voilà, donc elle fait du tapis. En fait, leur prof de sport, ils leur ont envoyé un programme sportif, en fait. Et elle a négocié, elle a dit, oh non, moi je fais pas ça, c'est des mouvements de muscu, enfin voilà, des choses comme ça. Alors on dit, bon bah tu fais pas ça, mais tu fais du tapis. C'est vrai que reste à allonger comme ça. Alors après, moi c'est des ados, hein. Donc sortir...
à l'extérieur, ils vont faire quoi en fait? Ils sont tout seuls, ils peuvent pas jouer avec un camarade, ils peuvent pas se balader, enfin voilà. Donc du coup, ils passent leur journée à la maison. Mais à la maison, ben, c'est PC, c'est télé, c'est... Alors le matin, ils font leurs devoirs et les après-midi, voilà. Alors Angel, il fait un petit peu de muscu. Hein? Toi, tu fais de la muscu, là, ouais. Tu l'as entendu? Ouais, je l'ai entendu. Il s'est retourné en me disant, tu l'as entendu? Ou tu m'as espionné, maman? Il va ressembler à Monsieur Muscle en sortant du confinement. Pourquoi tu rigoles de ton frère, toi? Hein? Et toi, chérie? Tu vas ressortir, tu vas ressembler à Monsieur Muscle aussi en sortant du confinement? Avec un abdo central. Il est bête! Bon, allez, on va aller voir si c'est gratiné et on va aller manger. Santé. À la vôtre. Et à votre santé. C'est le cas de le dire, en tout cas. À votre santé. Hein, chérie? Ouais. Chantez bien que ça sentait le gratinage. Ça y est, c'est cuit. Hop, ça se dit pas, je le sais, hein, je précise. C'est un mot que j'ai inventé encore une fois. Alors, version pomme de terre normale. Et quoi? Ouais, je vais réinventer. Je vais faire un dictionnaire. Au lieu que ça soit le petit Larousse, ça sera le petit Sandra. Ou le petit Robert. Ça va être le petit Sandra. Voilà. Avec mon langage particulier. Et voilà la version, donc patate douce. Voilà. Ça donne bon, ça sent bon, ça a l'air d'être super bon. Et c'est une bonne façon d'utiliser, je pense, restant de chili. Hein? Pourquoi on en a 5? Bah écoute, parce qu'il y avait trop de patates. Il me dit pourquoi il y en a 5. Je dis parce qu'il y avait trop de patates. Tu vas trouver où? Stacy vient de nous en sortir une belle. Sur le dictionnaire, justement. Alors, je vous l'ai dit, attention, hein. Qui est la plus intelligente entre la blonde, la rousse et la brune? Attention! La rousse! Est-ce que vous avez compris? Et ils sont morts de rire. Ouais, elle est morte de rire. Voilà! M'arrête, même toi, tu t'es dit, elle est bonne, tu l'as trouvée où? Elle est bonne, pour la roue, elle est bonne! Elle en peut plus! Allez, on va manger! Ramenez-moi vos assiettes, les loulous! Il est 8h. 8h15, c'est ça? Il fait encore bien clair hein, dehors! C'est bizarre, les lumières sont pas encore allumées à la maison et tout! On vient de dire aux enfants, allez, dépêchez-vous quand même! Hein. Papa il travaille demain, ne vous fiez pas trop à la lumière du jour, au soleil, parce que. Ah, il est tard. La télé elle va un peu fort là. Vous pouvez baisser un petit peu, Stacy, si stocker la télécommande derrière toi. Bon, allez. Moi je vais vous laisser, je vais aller monter le vlog, ranger la cuisine, etc., etc. Prendre une petite douche et aller au lit. Hein? Je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.